Allez, une petite revue de presse, vite fait. Mercredi 24 janvier, après une nuit très compliquée, due au fait que je suis malade et en plus petit problème digestif, donc ça va être une journée très difficile. C'est pas grave. Logement social, on a diminué de 4% en 2022, on a donné moins d'appartements. Ça, c'est mon travail. Mais vous inquiétez pas, on en a quelques-uns encore disponibles. J'arrête pas d'en louer là. Alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est que même les chefs, quand ils font une connerie, ils sont convoqués par leur chef. Il y a le patron de la SNCF, je peux dire qu'il va passer un mauvais quart d'heure, parce que là, il est convoqué par le ministre. Monsieur le président directeur général, veuillez vous asseoir, j'ai quelques mots à vous dire. Amazon, j'espère que dans mon entreprise, on n'est pas surveillé comme ça, parce que Amazon a pris une amende de 32 millions parce qu'il surveille ses employés. Bravo Amazon! Après, il y a un article, alors là, je suis un peu choqué, surpris, les ESAT, moi je connais des gens qui travaillent dans des ESAT, eh bien ils n'ont pas de statut de salarié, et ça je ne savais pas, ils ont un statut usager, et il serait bien qu'il y ait un statut de salarié, ce qui est logique. Voilà, donc si vous voulez regarder l'article, il faut acheter le journal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Travail, vous avez tort de vous croire meilleur que tout le monde. Vous aussi possédez des faiblesses. Ah non, 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 moi j'ai pas de faiblesses. Mais bien sûr, j'ai des faiblesses. Je suis le premier à reconnaître mes torts. Je suis bourré d'imperfections. Mais on est tous imparfaits. Personne n'est parfait sur cette terre. Bon alors, c'est tout? Bon là, on va pas les regarder, les faits divers, parce que c'est toujours un peu gore. Allez, je vous souhaite quand même une bonne journée. Même si pour moi, elle va être un peu compliquée, mais bon. Il y a plus grave sur Terre.